Il y a très longtemps, le royaume des Ghouls a évité de peu un très grand péril. L'armée des destructeurs est venue d'un univers voisin. La victoire était facile pour les puissants destructeurs, mais alors que personne n'y croyait plus, un grand feu s'embrasa sur le royaume, brûlant l'armée ennemie. Près de 100 ans ont passé, et le royaume est encore une fois menacé. Donc bah voilà, c'est l'histoire de Gargoyle Quest. Gargoyle Quest, c'est un jeu que j'ai eu quand j'étais tout petit. Ça a été mon premier jeu Game Boy avec Tetris, forcément. Et ça m'a laissé un souvenir de fou furax. Hein. C'était dur, c'était infernal. Mais j'en ai quand même un petit peu des bons souvenirs, hein, sinon j'y rejouerai pas. Donc, Gargoyle Quest, c'est un jeu Capcom. En fait, ça met en scène notre ami Firebrand. Je vais essayer de baisser le son, j'ai l'impression que ça gueule et en plus ça va me péter les oreilles à un moment. Putain, je vois rien. Pourquoi j'ai foutu des lunettes de soleil? Enfin bon, mais c'est parce que ça va avec la banane. C'est parce que ça va avec la banane, c'est quand même mieux. Alors attendez. Attendez, le son, parce que là ça va nous bousiller les oreilles, ça va pas être possible. Ouais, x25 c'est déjà bien. C'est bien suffisant x25. Largement. Largement. C'est quand même du son 8 bits, hein, il faut pas déconner. Donc en fait, ça met en scène Firebrand, qu'on a pu voir apparaître dans les Ghost and Goblins, comme c'est sous-titré en dessous. Et ça, c'est son petit spin-off à lui. Donc il fait partie de la race des Redheimer. Il y a beaucoup de gens qui l'appellent Redheimer, justement, mais c'est sa race. Ou des fois, il l'appelle Makaimura, mais Makaimura, ça n'a rien à voir, même si le jeu en japonais s'appelle Makaigura Gaiden. Makaimura, ça veut dire village hanté. Ou village des démons, je sais plus exactement. Donc on en est quand même assez loin. Donc de mémoire, on commence direct par un niveau. Ça rentre dans... Ah ouais, non, ils viennent vers nous. Une armée inconnue a attaqué. Le roi a été... Ok, bon, il a cassé sa pipe. Ils sont très forts, mon dieu. Putain, en plus, ils parlent en robot. Ils sont attaqués par Robocop, en fait. Firebrand, retourne au royaume immédiatement. Vite, avant qu'il ferme le portail qui mène ici. Eh ben allez, c'est parti. C'est parti. Donc, ouais, voilà, ouais, c'est ça. On commence direct avec une phase de plateforme, quoi. Donc, ça devrait... Oh là là, hop, voilà. Ça devrait bien se passer parce que c'est vraiment le niveau qu'on fait 150 fois. J'avais mis une éternité à le passer quand j'étais gamin. J'avais même trouvé un code dans les passwords pour filer directement juste à la fin du niveau. En fait, il fallait taper que des F à la suite. Et en général, non, il y avait une autre lettre. Il y avait le F, mais il y avait aussi autre chose. Ah ouais, non, il fait pas ça. Il le fait pas comme Demon's Blazon. C'est-à-dire qu'on est sur les murs, avec la flèche du bas, on ne peut pas faire tomber. Donc il va falloir être... Il va falloir être vigilant. Lui, hop, il faut le désinguer tout de suite. Voilà, ta gueule aussi. Alors, les fioles, on va essayer de les prendre. Parce que, de mémoire, les palais sont pas... Déjà, ils sont pas faciles. Hein. C'est même bien ardu. Mais on peut acheter des vies avec ces boutanches dans les villages. Et pourquoi j'ai mis pause? Quel con, putain. Option gros doigt. Et dans les villages, et ben moi je vais pas m'en priver parce qu'il est pas facile hein, quand même, ce con de jeu. Hop. Alors, le truc, comme dans beaucoup de jeux à cette époque-là, en fait, c'est dès qu'on voit un ennemi, on s'arrête. On arrête tout. Et on essaye de buter l'ennemi. Parce que sinon, on s'en sortira jamais. Si on s'en sort pas. Alors là, pareil, celui-là, hop. Enculé. Sa mère. Hop, putain. Ah, il me reste un point de vie, c'est l'éclat total. C'est l'éclat total. Normalement, si je me gourre pas, on devrait avoir la possibilité de retrouver un cœur juste avant le boss. Vous allez vous dire, mais putain, il y a joué il y a pas longtemps. Non, c'est que j'en ai quand même des souvenirs de ce jeu. On va pas faire le fou. Parce qu'il a quand même une maniabilité assez lourde, hein, notre Firebrand. Hein. C'est loin d'être... un athlète de haut niveau, là, pour le coup, quoi.
Voilà. Ah, moi je récupère les viales. Voilà. Celui-là, fallait surtout pas rater. Là, normalement, on est au boss. Le boss qui m'emmerdait quand j'étais gamin, alors qu'en fin de compte, il est pas si dur que ça, quoi. Bon, il est pas si dur que ça. On va quand même faire attention à pas se faire meuler la gueule gratos. Eh ben si, voilà, quand même. Quand même, quand même. Ah putain, et je l'ai battu en même temps ? Ça donne quoi ? Ah non, je l'ai pas battu. Je ne l'ai pas battu, voyons. On va essayer d'être un petit peu plus méthodique sur le deuxième essai, parce qu'on va peut-être essayer au moins de le passer du premier coup, ce foutu niveau, pour pas y passer 15 ans. Mais putain, mais c'est pas possible ! Je suis plein de précautions et tout, et je me fais quand même exploser, t'es la chetron ! Ah ! Bon, un petit jeu Game Boy, ça devrait pas durer longtemps. De mémoire, il y a 5 palais. Ah putain de sa mère, mais merde ! Hitbox généreuse ! Hop, voilà. Il continue, oui. Oh putain. Ouais, hop. Voilà, l'amour du risque, l'amour du risque. Jonathan et Jennifer. Bon, on sera... Oh putain. On se rappelle qu'il vient d'ici, voilà. J'ai un petit peu fait le porc. Alors, normalement... Oh putain, salaud. 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 J'ai cru qu'il allait se décaler sur le côté, quoi. Putain, on est obligé de recommencer. Tu ressuscites le sort de résurrection. Tu as été ressuscité dans le royaume. Mon dieu, ça me fait une belle jambe. Putain, on commence fort. On est déjà obligé de se retaper le premier niveau. Ça va être fantastique. Ça va être fantastique. Ça va bien se passer. Allez, en mode speedrun, on avance. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Quand même. Hop, non, c'est bon. On n'essaie pas de faire n'importe quoi pour autant. Voilà. Hop, c'est bien. Oh putain con. Un beau parcours là pour le moment. Et bah voilà, allez, en deux minutes c'était bâclé cette histoire. Oh putain, il a pas repopé. Non, c'est bon. Ah putain, lui par contre il a repopé. Ouais. Oh là 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 là. L'amour du risque, l'amour du risque. Bah alors j'espère que ma banane vous plaira. Un petit peu déliré, ouais. Banane, lunettes de soleil, ça change un petit peu, ça met du charisme, ça met du swag. Hop. On a raté la fiole. Oh putain, hitbox généreuse encore une fois, même pour en foutre sur la gueule à un ennemi. Alors. Là voilà, sur ma gueule. Enculé. On va se mettre à un endroit un petit peu plus safe, ouais voilà. Hop. Enfoiré, il a essayé, il a bien, putain, fumier. Bah voilà, c'était pas compliqué quand même, bordel. On voit pas grand chose, je vais rallumer. Voilà, on y verra quand même un petit peu mieux. Ouais, ça c'est les lunettes de soleil, quelle idée. Tu es passé par le portail et tu as atteint le royaume des ghouls.
Bien. Alors là, zone à la Final Fantasy. Forcément, qui dit zone à la Final Fantasy dit RNG de merde. Donc on risque de se taper des combats à la mort moelle. Ah bon, d'accord. Hop, on va se taper. Oui, dire. Qui es-tu? Tu ne partiras pas d'ici. Mais si, tu vas voir. Bon, ça va. Parce qu'en fait, il y a trois modes de RNG comme ça différents, me semble-t-il. Il y a la version avec les mêmes ghouls en fait, mais avec des boucliers qui sont assez casse-couilles. Ils sont assez casse-couilles. Donc lui, on lui a buté. Je vais trouver deux fioles, oh mon dieu. Ah bah oui, des fioles, c'est des fioles. Moi, j'avais l'habitude de dire... Ah bah le voilà, premier RNG, le vrai. Voilà. Ça, c'est relou, hein. Ça, c'est relou. Tu as trouvé une fiole, mon dieu. Début de la richesse. Alors, ok. Hop, bah oui, on va encore discuter avec toi. Qui es-tu? Tu ne partiras pas d'ici. Heureux. Allez, 1, 2, 3. Hop, celui-là, il rebondit, on tombe. Boum, boum, terminé. Voilà. Oui, bah, force de le faire, celui-là, on s'en rappelle. Hein, même quand c'était il y a plus de 20 ans. Ouais, plus de 20 ans, ouais. Oh, ouais, large. Bref. Musique magnifique. Ah, oh, un petit village. Salut à vous. Donc, dans le village, parler avec qui? Firebrand, tu as finalement réussi. Voilà, ils vont nous dire des choses particulièrement pertinentes. Donc on va s'en passer aisément, on va surtout essayer de trouver le maire et puis le gars qui va nous donner le mot de passe. Nous pouvons être ressuscités en chantant le sort de résurrection. Voilà, c'est lui qui va nous donner le mot de passe. Donc ce que l'on va faire nous, du côté stratégique, on va faire une quick save. Option, alors quick save c'est où déjà, bordel de merde. Save game, shift plus F1. Ok, ils ont pas trouvé... Plus chiant, non? Plus de boutons encore. Save. Allez, save zoo. Oh non, putain, mais... Ouais, fait comme ça, zoo, très bien. Et c'est reparti. Alors, on s'en fout. Je vais te dire les paroles du sort, ne les oublie jamais. Alors, lui, il m'a donné le checkpoint. On va essayer de... Oh, la petite gargouille. Moi, tu es Mimi, tu es une fille. Jark, un sixième sens, suis ses conseils. Tu parles d'une voix qu'il avait. Alors Jark, il est où? Il est où Jark? Est-ce toi Jark? Échange 8 fioles pour un talisman du cyclone. Pourquoi pas? Plus que cela serait cupide. Il est où Jark? Oh putain la fiole. Petit village. Oulala, alors acte. Rien à utiliser, non. Stat, d'accord. Putain, mais quel gland. Quel gland. Vérifier. Tu trouves deux fioles. Mon dieu, le petit village de pauvreux. Tu les dépouilles jusqu'à l'os. Alors, oh bah tiens, on va continuer à dépouiller jusqu'à l'os. Tu as trouvé une fiole. Fantastique. Donc, ça me fait combien de fioles, ça, statistiquement parlant? Alors, vol, un vie, ok. Sac. Oui, sac. J'ai deux talismans. Et 12 fioles. Exceptionnel. Mais c'est quoi, les talismans? Les talismans, ça doit être les vies, remarque, je suis con. Alors. Je suis Jark. J'ai peur de ne pas pouvoir t'aider. Sans mon bâton, mes pouvoirs sont très limités. Si je pouvais le retrouver... D'accord, oui, bah oui, effectivement, oui. Tu vas le faire, bien. Voici un ongle magique. Un ongle magique. Un ongle magique. Mon dieu, ça c'est érotique. Ça c'est érotique. J'espère qu'il est sale au moins, parce que sinon il vendrait pas du rêve. Quand tu l'as, tu deviens léger et tu peux voler plus haut. Ah bon, bah en gros, ouais, bah, je décolle quoi. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc on va essayer de lui retrouver son foutu bâton. On imagine qu'on va sortir du village et qu'on va prendre tout droit, hein, forcément. Alors attends, on va quand même... Qu'est-ce que t'as à dire, toi? Nous avons tous été tués.
Ceux qui ont été ressuscités se cachent ici. Ouais, ouais, c'est pas facile la vie au royaume des Gaules. Alors, qu'est-ce... Il est tout seul, lui. À l'aide ! Tu es pas un dieu, n'est-ce pas ? J'ai si peur, les ennemis venaient de l'Est. Les ennemis venaient de l'Est. L'Est, ben on ira à droite, alors. Exceptionnel. Alors, est-ce qu'on saute plus haut ? Ah, on a de la détente, là, les loulous, hein ? Ok, alors là, les petites zones de feu, je sais plus si c'est dans le 1 ou le 2 qu'il y a un passage comme ça. Mais relou ! En fait, il faut bourrer le bouton jump pour essayer d'aller le plus loin possible, et c'est... Ah, c'est particulièrement mal foutu. Non, c'était dans le 2, alors, ok. Très bien, allons à l'Est, et de toute façon, en plus, on a des vielles à récupérer, moi, ça me va très bien. Ah, mon Dieu ! Putain, les salauds ! Les salauds ! Voilà, lui, 1 sur 2, très bien. Alors là, il faut y aller par quoi ? Ah, putain de sa maman ! Voilà. Faut y aller plus cool. Dès qu'ils sont armés, les boucliers, faut se la faire stratégique. C'est pénible, c'est chiant, quoi. Tu trouves une fiole. Mais j'en trouvais d'autres, même, des fioles. Regarde un petit peu. Non, c'était vérifié, voilà. Trouve un talisman du cyclone, carrément, quoi. C'est bon, ça, c'est bon. D'accord, le palais, il est là, donc ils jouent. Ouais, c'est le palais. Alors, vous allez vous dire, putain, ça l'a fait petite bite. Mais non, on a 3 vies, on va pas se péter la courge. 10 ans, une quick save, comme ça on le reprendra du début. Hein, voilà. Ça c'est du bon, ça. On va faire comme ça. Puis de toute façon, si vous êtes pas content, mais c'est comme ça, je vous emmerde. Hop, voilà, une belle sauvegarde. Et là, il n'y a plus qu'à se faire le niveau pépère. Voilà. Oh là là, hop, voilà, très bien. Musique sympa. Il y avait des bonnes compositions. Bah, c'est un jeu Capcom, hein, de toute façon, faut pas déconner. Oh là là. Ok. Voilà. Je sais même pas si je prends le bon chemin, hein, mais on va essayer quand même. Reviens la mouche ! Non, la mouche ! Voilà. Ça nous emmerdera pas. Là, il y en a deux. Hop, toi. Voilà. Ouais, pas mal. Faut prendre le temps dans Gargoyle Quest, sinon on se fait meuler la gueule, à moins de connaître le jeu par cœur, bien sûr. Parce que dans les palais, autant c'est tout le temps la même chose, hein. Dehors c'est la RNG, mais là, ça c'est l'invariable, hein. Ah, les poteaux. Alors, il y a un schiste du genre, hein, je sais plus exactement. Comme j'ai eu du cul, c'était beau. Ok, pourvu qu'il n'y en ait pas un autre qui a repopé. Bande d'enfoirés. J'aurais pas fait un tour pour rien, là. Ah d'accord, j'ai pigé le truc. J'ai compris à l'endroit où en fait... à l'endroit où je me suis jeté dans le vide, il fallait que j'essaie sûrement de remonter encore au niveau du mur. Donc... On va faire ça. On l'a pas fait pour rien, on a gagné une vie. On aura le droit de se marbrer la gueule délibérément. Hop. Baby, 20 minutes. Alors non, on va pas essayer de sauter tout de suite, hein, non. Voilà, en fait, fallait continuer là-haut. Ouais, la viale, je suis pas emballé là pour le coup. Ok.
Ouais, je l'avais vu au loin, cet enculé. Ah, mais d'ailleurs, c'est pas le boss où il faut niquer les... Il y a 4 trucs à niquer, ou une merde du genre. Si, ça doit être ça. Ça doit être ça, mais tu vas la prendre, cette putain de fiole, oui. Alors là, ça bouge, ouais. Voilà. Hop. On se la fait zen. Ah putain. Ouais, fallait que je m'y attende. Oh bah ça va, on reprend pas très loin. Wabava putain. Bande de fumier quoi. Ok, c'est 2 coups hein, putain, ces animaux. Ok, ça passe comme ça, ça passe. Donc, il faut essayer de foncer dessus délibérément et s'agripper en dessous. Ok, ok, ok. Oh, putain de sa maman. Et voilà, ça passe. Y a pas un cœur ou une merde du genre hein, qui traîne. Ok, ok, ok. Oh putain con. Ok, putain il déconne ou quoi celui-là? Merde, putain. On va y arriver, on va y arriver. Là, il a même pas eu le temps de comprendre ce qui lui est arrivé. Ok. Voilà. Ça va bien se passer, je sens. Mais ouais, j'ai une vague idée du boss. Faire attention, faire attention. Voilà. Voilà. Alors là, faire encore plus attention. Oh putain. Bah oui, bah oui, bah oui. Ça ira quand même un peu mieux quand j'aurai un peu moins de coups punitifs comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Il faut niquer les 4 œils. Il faut niquer les 4 œils. Ok. Alors, hop. Ok. Oh putain, putain. Oulala, oulala, oulala. Putain la vache. Putain de bordel de merde. Ils rigolent pas les cocos. Ils rigolent pas. Voilà. Je fais le gourmand. J'ai fait le gourmand. Là c'est des bons. Oui, oui. Bien joué. Je me fais toucher là. Putain! Putain, 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 putain. Allez, restons concentrés. Là, j'ai pas droit à l'erreur. Et puis j'ai rien d'autre. Ok, c'est pas mal comme ça. On garde le calme. Ouais, ok. Il est... Y a pas moyen? Ouais, ouais, ouais. C'est
c'est du spoil. C'est une méthode. C'est une méthode. Je suis désolé. Voilà, un de moins encore. Il y a les deux duos. Je vais peut-être essayer de repasser par là où je suis venu. C'était plus safe. Hop, putain. Safe mon boule, ouais. Bien, bien, bien. Plus qu'un, plus qu'un, plus qu'un. Voilà. Pour l'amour du rock'n'roll. Eh ouais, eh ouais. Putain, faut pas que je refasse le speech en arrière, là, quand même. Ah non, il faut que je trouve la porte qui s'est ouverte, forcément. Retourne au casse-pipe. Hop. Voilà. Tu as trouvé le bâton Gremlins! Attention, c'est pas rien, c'est pas rien. La force entre dans ton corps! Tu as la magie du destructeur. Et le jingle de charisme. Ok, bon, il est 27. Ok, bah écoutez, je vais faire une petite sauvegarde. Parce que je vais devoir couper, bricoler, enfin faire des bricolages. Et puis, bah, pardon, ça c'était gratuit. On se retrouve juste après. Hop, save game. Zou, très bien. Voilà. Allez, à tout de suite.